ça n'a pas eu aucune publicité. Le débat dont vous avez parlé, vous dites qu'on est amnésique, mais je pense que vous ne nous lisez pas suffisamment. Personnellement, à Guinée-Matin, on a réchauffé un entretien qu'on a eu avec Ella Sélou Dalé, où il parlait plutôt de couplage d'élections. La volonté de l'opposition de coupler les élections communales aux élections locales. On a publié l'entretien là où il en parle. Mais de l'autre côté, je voudrais juste noter que le 8 juillet, les médias n'ont pas été conviés. Vous n'en avez pas parlé, il n'y a pas eu de publicité, il n'y a pas eu de débat. Nous avons parlé le 3 juillet. Quand nous sommes sortis de la salle, nous avons relaté tous les accords obtenus, y compris l'organisation des communales. Mais, même si ça ne figurait pas dans l'accord du 3 juillet. Mais par exemple, quand vous parliez le 3 juillet, le document sur lequel vous vous êtes entendu le 8 n'avait pas été paraphé. Écoutez, c'est une pratique qui est courante dans les négociations et dans les dialogues. C'est courant qu'on dise on est d'accord, on laisse les facilitateurs, où chaque parti est représenté dans le comité de facilitation, on laisse les facilitateurs formaliser le document, le conclure et le ventiler à toutes les parties. Vous voyez, oui. Surtout que c'est courant, parce qu'en fait, on a besoin. On se dit qu'un gouvernement ne peut pas se relier. Une fois qu'un accord a été donné devant la communauté internationale, devant la société civile, devant tous ces témoignages, soit certains de ces dans la salle, et de façon solennelle, on est sorti. On a rendu compte à la presse, on se dit qu'on ne peut pas se relier. Sauf que vous auriez pu, par exemple, exiger que toutes les parties signent le document du 8 juillet, comme ils l'ont fait sur le document du 3. Honnêtement, est-ce que vous ne regrettez pas de l'avoir pas fait? Vous allez m'obliger à me répéter. Non, juste, est-ce que vous ne regrettez pas? Comment ça s'est passé? On est venu pour parler de l'élection législative. Le mandat de M. Seth Djinit, qu'il a reçu des Nations Unies, c'était aider les Guinéens à préparer les élections législatives. De fil en aiguille, on s'est dit que pour, pas pour les élections législatives, mais au moins pour que l'élection présidentielle, qui était hors sujet, que cette élection se déroule dans le même climat de sérénité qu'on souhaite pour les élections législatives, il faut qu'on renouvelle les mandats des élus locaux. Donc on en a discuté à part, un accord a été obtenu. On a dit, bon, puisqu'on a déjà un document qui parle des élections législatives, préparez-nous le document. On n'a même pas besoin de se retrouver pour le signer. Chaque parti délègue son facilitateur et le facilitateur international. Ici, le document, et ils le font circuler, font ampliation à toutes les parties prenantes au dialogue. S'il y avait eu la moindre contestation, oui. Si le 9 juillet, quelqu'un avait dit, on n'a plus besoin de suivre, puisque ce qui a été. Est-ce que sincèrement, vous le regrettez? Est-ce que vous.